Bonjour et bienvenue, on est reparti pour plus de Grounded. Donc on avait pas mal de petites choses à faire la dernière fois. Ça tourne. On doit dormir ou pas? Je m'en rappelle plus. Non, on vient juste de se réveiller, ok, ça marche. Ah oui, on a récupéré de la nourriture et tout. Ok, il y en a 3. On est bien équipé, on a nos mutations. Donc, ce qu'on voulait faire... J'essaye de me rappeler, en fait, de ce qu'on voulait faire. Je crois qu'on voulait améliorer nos outils. On voulait améliorer nos outils. Donc, bon, ça sera pour un peu plus tard. Par contre, la hache à insectes, ça va être pour maintenant. Il faudrait qu'on fasse maintenant. Donc, il nous faut des bouts de bombardier encore. On en a 2, il en faut 3. Et il nous faut encore une toile. Ok, c'est ça, en train de faire ça, ça marche. Ouais, il nous faut une toile. Donc on a encore des choses à faire. On va mettre ça. Très bien. Il nous faut de l'eau, comme d'habitude. Il nous faut de l'eau. Évidemment, c'est là. Est-ce que... Je vais pas pouvoir... Genre monter. Ouais, d'accord. Ah, si. Nickel. Donc, ouais, on a de l'eau. Bon, on n'a pas grand chose. Mais bon, bref, on va aller chercher. Donc, du coup, ce qu'on a besoin. C'est laquelle? C'est celle-là. Ok, très bien. Let's go. Ah, on n'a pas trop de soins. Hein, j'aurais dû faire attention aux soins. Bon, c'est pas grave, on va se débrouiller. Alors, il nous faut des araignées. Bah, très bien. Alors, on a des petites et on a des grandes. Je pense qu'on peut se faire une petite, ça marche aussi. Hein. Au lieu de se prendre la tête à combattre une grosse. Bon, par contre, la difficulté, c'est de se faire aggro sans aggro toute la colonie, en fait. C'est un peu ça le problème. Alors après, on peut... Ok, toile. Je vais voir si je peux pas en récupérer une autre. Oh la vache, ça m'a fait peur, putain, saloperie. Qu'est-ce que ça fait peur, ces merdes. Vas-y, allez, là. J'ai compris. Faire attention parce qu'elle recule, ce saloperie. Ouais, j'ai plus d'endurance déjà. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est chiant! Ouais, c'est chiant. On est mal. Ok. Ok, ça devrait aller. Putain. Merde. On va bien l'assommer. Voilà, très bien. Merde. C'est bon? Eh ben, ça en fait du combat. Ok, nickel.
Ah, c'est... Oui, c'est... Oh, poor guy's got allergies. C'est dangereux. Alors, toi, t'es où? Non. Don't even need to boil it. Elles prennent quasiment rien de la lance. Elles prennent vraiment que dalle, c'est abusé. C'est là. Elles prennent vraiment strictement rien de la lance. Après, c'est vraiment la lance de base, mais bon, quand même. Très bien. On peut, ouais, on peut annuler. Donc, ça, on va faire ça. Tac, 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 tac. Nickel. Ok, maintenant, ce qu'il nous faut, du coup, c'est encore des punaises. Non, très bien. Alors, on va faire ça. Ah oui, il nous faut aussi des... on va faire cuisiner ça. Ah, ça, on va aller l'identifier avant de le changer. Mais ah, aussi, j'avais... Ben, j'ai oublié, j'avais les chaussures pour courir vite. Ça, c'est un peu le problème que j'ai. Des fois, je pense pas à changer les chaussures, en fait. Et du coup, ben, on combat avec. Voilà. Et c'est vraiment pas une bonne chose. Ok, très bien. Ouais, c'est vraiment pas une bonne chose, ça. Ça, c'est quelque chose que j'oublie souvent. I feel a little less squishy now. Ouais, c'est embêtant. Parce qu'en plus, elles prennent super cher. Ouais, elles prennent super cher. Alors, très bien. Hey, Mr. Ant. Hey, c'est à moi, ça. Touche pas. Qu'est-ce qu'on veut faire d'autre? Nickel. Ah oui, on a l'arc aussi. C'est vrai que j'avais oublié. J'avais complètement oublié qu'on avait ça. C'est quoi ce bruit? Ok, maintenant on va refaire la punaise. C'était des punaises. Non, c'est pas des punaises, des bombardiers. C'est pas du tout pareil. Du coup, c'est de ce côté là-bas, je crois. C'est après les larves, je crois. C'est bon? T'es prêt? Non, c'est pas prêt encore. Là, c'est prêt. Nickel. Voilà, ça nous fait un peu de vie grâce à ça, en fait. Mais ouais, il nous faut de la sève. Mais ça, il faudrait aller en farmer, genre près du grand arbre, le chêne, et casser les gros blocs de sève, en fait. C'est ça qu'il faudrait faire. Parce que là, on est un peu limité. Hein. En tout cas, on y va. On va retourner où est-ce que j'avais dit. Alors, je vais être honnête, je me rappelle plus vraiment où il y a d'autres endroits pour les bombardiers. Je me rappelle juste où c'est qu'on l'a tué. On a tué notre premier bombardier. Je me rappelle plus où sont le reste. C'est araignée ici ou pas? No water filtration tablets needed. C'est quoi ce qui bouge? Ah ok, c'est un coccinelle. Ouais, non, là-bas c'est araignée. Ok, ça marche. On y allait à celui-là. Non, oui, normalement il y a le détecteur qui fait bip bip si jamais on l'a pas découvert. On est bon. Donc du coup, c'est par là-bas, je crois. C'est un peu chiant de se rappeler. Faut que je mette un... Oui, non, si, c'est bon, c'est bon. Ouais, ouais, non, c'est juste après les larves, en fait. J'avais raison. Alors, par contre, est-ce qu'il est réapparu? Ça, c'est une autre histoire. Je vais être franc, je doute qu'il soit réapparu. Ah, ouais. Attendez, on va faire comme ça. Voilà. Ah.
Peut-être. Ce bruit. Ah non, non, c'est les. Non, c'est ça là. Que ce bruit là, je crois. Peut-être qu'il y en a d'autres plus loin. Là-bas, c'est quoi ? Ça, c'est des. Ça, par contre, c'est des punaises. Poste de recherche. Ouais. Ça, c'est des punaises. Un truc intéressant, c'est que. Les punaises, enfin, ça fait du gaz toxique et du coup le gaz toxique peut tuer les autres insectes. Donc ça c'est assez intéressant d'utiliser contre les autres. Il nous faudrait de l'eau. Ouais, elles sont juste là. Ouais, punaise. Je préfère les combattre avec à distance, honnêtement à distance c'est bien. Ah je crois, je pense savoir où je pourrais en trouver ce qu'on cherche. On va voir. Ah ouais, alors là il y a les larves là qui dorment, faut pas les déranger. Je vais voir si je peux. Non, c'est trop loin. Ah, elles sont là. Ouais, puces d'eau. On va les éviter, les puces d'eau. Je crois que pour l'oxygène, si je me rappelle bien, je crois que si on arrive à zéro, on meurt plus ou moins instantanément. Je crois bien. Donc, faut faire attention à ça. Bah du coup on va vers l'objectif parce que je crois bien qu'il y a des punaises. Enfin, pas les punaises, ah là là, les autres là, les bombardiers. Je crois bien. Donc on va y aller. Oh, on a l'endurance qui se vide tellement vite, c'est abusé. Fais voir nos soins. Enfin nos soins, nos encas là, ça va. La canette de la bise. On peut après combattre. Alors c'est pas la meilleure des armes. En fait toutes les... si je dis pas de bêtises, toutes les armes qui sont pas faites pour être utilisées dans l'eau, elles tapent moins vite. Elles tapent nettement moins vite. Mais bon, on peut les utiliser. Nice and clean. Très bien, on va prendre ça. Nickel. C'est bien parce que j'ai nettement moins peur. Je suis nettement moins impressionné par le jardin. Donc du coup on fait beaucoup plus d'exploration. Donc en théorie ça serait là-bas je crois bien. Mais je voudrais avoir la hache niveau 2 parce que je sais que là il y a des... Ça c'est les baies là. Enfin des baies... oui c'est des baies je crois. Ça là. Je crois bien que j'en ai besoin de la hache niveau 2. Voilà elles sont là. Fais voir si on peut... Faut faire gaffe. Après, ça link pas. Genre, ça va pas appeler ses copains. Mais ça peut être dangereux. On peut le faire. Ouais, on peut le faire comme ça. Enfin, honnêtement, c'est vachement dangereux. Le mieux, c'est ça. Casse-toi, toi. Ouais, ça fait chier. Not bad. Mais ramène ta fraise. Ok.
Ok, très bien. Bien. À mon tour. Yes, let's go. Nickel, nickel, nickel. Très bien. C'était un peu... ça va. Récupérer les flèches, honnêtement, c'est chiant. Ah, quoique non, on n'a pas besoin de... C'est nouveau, ça? Le fait de marcher dessus et on les récupère. C'est possible qu'ils aient rajouté ça plus tard, en fait. Tu vas regarder. J'ai pas besoin, en fait, de les attraper moi-même. Je peux juste marcher dessus. Je vais être franc, je serais pas surpris que ça ait été rajouté plus tard. Alors, on va boire pour être à fond. Alors, vas-y, on va s'en refaire un autre. Ok, beau. Ça va, ça va, ça va. Non, 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 reste avec moi. Je ramène ta fraise. Non, la vache. J'avais plus d'endurance, c'est un peu le problème. Ok. Esquive, très bien. Casser la fourmi. Je vois pas qu'on est en plein combat là. Merci. Non mais oh. Ok, très bien. On en a encore une. Je dirais pas non. Et plus tard, c'est là qu'on va aller. Ouais. Oh, je crois que c'est nouveau ce sécateur là. C'est un sécateur ça. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de d'acariens aussi. Alors les acariens, si je me rappelle bien, les duvets en fait sont vachement utiles. Ils sont vachement utiles pour beaucoup de choses. Je serais pas étonné qu'ils aient rajouté le nombre. Enfin, augmenté le nombre des acariens. Mais par contre, je suis quasiment certain que ça, ça y était pas. Et qu'il fallait monter via le câble, là, le tuyau, là. Ça, ça me dit rien du tout, par contre. Monter de la... Ouais, non, honnêtement, ça me dit rien du tout, ça. Il y a même une lumière, maintenant. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est... Genre, mieux à montrer en fait le chemin, peut-être. Oh! Gobelin de pelouse, acarien. 10. Ah, ça y est, on est sorti des trucs de commencement là. T'es, j'ai du mal à en parler moi en ce moment. Ok, c'est bon. Des leurres, branchies liquides, ça c'est de des smoothies pour aller dans l'eau, pour rester plus longtemps. Et les leurres, je sais plus exactement s'ils marchent dans l'eau ceux-là ou pas. Mais ouais, c'est là-haut qu'on va aller après. Je veux d'abord faire mâche. Ouais, non mais je pense que il y avait pas ça, hein, parce que regardez, il y a la branche et tout ça, donc on peut techniquement. Monter, hein, on n'a pas besoin de ça, je suis sûr que ça c'est nouveau. Alors, fais voir. Alors, on peut la couper avec celle-là ou pas? Normalement, je crois que oui. Mais moi, je veux
la deuxième. Alors on va en profiter, on est là. Il va nous falloir des... Comme j'ai dit, il nous faut de la sève. Avant qu'on parte, il faut de la sève. Il faut au moins une dizaine, voire une vingtaine de soins. Comme ça, on peut tenir un moment. Et il faut faire des... des plats, comme ça. Parce que vous avez vu le nombre de vies, en fait, que ça vous fait, ça vous redonne. C'est vachement utile. Oh, il y avait ça. The Kinder Science lab modules have not held up as well as anticipated. I thought hiding these lab units in the hedge would provide a bit of protection from my rampaging children. But it appears not even the sanctuary of these leaves can protect my work from an errant flingman disc. The subsequent breaches in the lab structures have invited all manner of arachnid invaders to wander in. My plan is to recalibrate the tasty bots for defensive action. A stopgap solution, to be sure, but I've no time for repairs, not when I'm so close to unlocking the mysteries of raw science. On va essayer d'en récupérer quelques-uns. Pas le plus possible, mais quelques-uns au moins. Comme ça, ça va nous permettre de nous vider l'inventaire quand on rentrera. Très bien, 4. Des fois tu prends, des fois tu prends pas, c'est un peu étrange. Normalement on est tranquille, je crois. Dans ce périmètre là, si je regarde la carte, je crois que dans ce périmètre là on est tranquille. Je crois que c'est à partir d'ici que ça commence à être infesté d'araignées en fait. Et là c'est la guerre. Je crois bien. J'aime beaucoup le fait qu'on ait deux inventaires comme ça. Qu'est-ce que ça change la vie, honnêtement? Enfin, plusieurs lignes, là, de poche. Qu'est-ce que c'est vachement utile. Parce que là, je mets tous les soins, les différents soins, en plus. Parce que des fois, on fait des rôtis de charançon. Mais des fois, on a des moucherons. Des fois, on a les autres. Donc, du coup, c'est bien. On peut tous les mettre sur une barre. Et après, bah, ils restent sur la barre, en fait, même s'ils arrivent à zéro. Donc c'est super bien. On peut balancer la lance aussi, évidemment. Enfin, on peut balancer n'importe quoi. Hein. N'importe quelle arme. Non, c'est pas celui-là, ça. Très bien. On va continuer. Ah, du jus. Après, les araignées font pas trop peur. Parce que vous avez vu que même les grosses, on arrive à se les faire. Et honnêtement, si je dis pas de conneries, c'est un peu celles qui sont le plus dangereuses, on va dire. J'aurais dû le garder dans la gourde. C'est pas grave. Mais ouais, on va dire que c'est les celles qui sont le plus dangereuses pour le moment. C'est les ennemis qu'on va combattre qui sont le plus dangereux. Donc ouais. On va laisser l'abeille tranquille. Les abeilles aussi, on va devoir en combattre pas mal parce que je crois qu'elle fait un 7, l'abeille, qui était vachement bien, que j'aimais beaucoup. C'était pour les archers, je crois. Enfin, je crois que ça marchait aussi avec arbalète, mais c'était vachement bien. C'était un des premiers sets pour tireurs, en fait. Et je trouvais ça vraiment cool. Je devrais pas en faire tomber plusieurs en même temps là. Oh, d'accord. Ouais. Elles sont allées exactement au même endroit. Nickel. Bon bah très bien. 10-10, 13, 23 pardon. Ouais. Alors après, je sais plus exactement ce qu'on peut en faire. Alors on va pouvoir crafter ce qu'on veut là, mais je crois qu'on peut les faire sécher aussi. Donc faudrait faire un étendoir. Alors là, normalement, il y a des fourmis.
Oh putain, il y a ça aussi, fait chier. Il y a des larves. Attends, elle a bougé celle-là. Je sais plus s'il y a des secrets. Il y a peut-être des secrets, mais c'est peut-être au-dessus de la cassette. I don't want any trouble, Mr. Larva. Ouais, on va se casser d'ici, j'aime pas trop. Ça, je crois qu'il faut niveau 2 hein, pour les détruire. Ouais, niveau 2. Il y a des aliments super, super chiants, honnêtement, à faire. Oh, c'est quoi ça? Oh, c'est juste un trou. Il y a des aliments super chiants à faire, du genre... il faut de la pomme, il faut des cookies, des trucs comme ça. Et ça, c'est des endroits bien précis qui réapparaissent de temps en temps, comme genre la pomme, par exemple. Il n'y a que comme ça, en fait, qu'on peut les récupérer. Oui, ouais. Vous voyez ce qu'il y a dedans? On va se casser. Ah oui, là c'est le plat de lasagne ou un truc comme ça. Et du coup ça fait plein de branchettes. C'est vraiment pas mal pour récupérer des branchettes ici. On a un poste de recherche. Je vais être honnête, on va pas s'éterniser parce que là on est en territoire... Pourquoi j'utilise la lance aussi? Parce que je veux absolument monter lancier. Ok, mais on est en territoire, genre c'est pas vraiment le bon endroit. C'est ce que je veux dire. Ah, il s'est suicidé, très bien. Ok, on prend ça. Allez, cassos. Burgle, are you there? Est-ce qu'on peut passer par là? Yes, sir. It appears that the shrinking process has not overly affected my functionality. I do not know how this is possible. I previously believed that all the parts of my functional unit were required for operation, but apparently they were not. Perhaps that means I have some extra storage space. Very philosophical. Do you feel yes. Anything else? No, everything appears to be the same. Now, I have come to realize that this world is absolutely covered in filth. It is quite concerning. You may wish to wash your hands before returning to work. Non, mais ils ont complètement augmenté le nombre. Enfin, dans un sens, ça rend un peu le jeu plus difficile. Mais quand vous savez ce que vous faites, ça rend le beaucoup plus simple, en fait, pour farmer. Je suis quasiment certain qu'ils ont augmenté le nombre. Là, on en récupère énormément. C'est quoi, ça? Reflète une partie des dégâts. Pourquoi j'ai ça qui s'active? Vers l'attaquant. Reflète une partie des dégâts vers l'attaquant? Pourquoi j'ai ça qui s'active? Ça vient de quoi exactement? Le 7. Très bien. Nickel. Pardon. Je sais pas. C'est l'habitude de vouloir recharger mes armes pour être sûr qu'elles soient pleines. Du coup, je balance ma lance tout le temps. C'est bien. Ça a pas changé. Je crois que je vais toujours le faire. Aïe, aïe, aïe. Alors, très bien. Fourmi rouge soldat. Ok. Alors, on a combien? On a 4005. Collection de panneaux, non. Détecteur de ressources. J'ai bien envie de faire ça. Les torches améliorées, on va dire que pour le moment, honnêtement, ce qu'on fait, on n'en a pas vraiment besoin. Pour ce qu'on fait.
très bien. Excusez-moi. Bonjour. Oh, what guy's got allergies? Nickel. Qu'est-ce qu'on a de nouveau? On a ça. Comment on fait? Oui, non, d'accord, on n'a pas besoin. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, nickel. Parfait. Alors. Maintenant, on craft. Donc, on a des cocktails en plus. Ça, les cocktails, faudra en faire un peu. Ce serait bien d'en faire maintenant, honnêtement, pour partir. Le leurre. Les prédateurs les plus imposants. Ouais, okay. Alors, hop. Alors, le cuir de baie. Fabriquer un pot de baie séchée. Donc, il faudrait aussi faire un étendoir, là. Ça serait vraiment utile. Ok, très bien. C'est bon, on peut faire ce qu'on voulait. Qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin d'eau, putain, j'ai besoin d'eau. Ah là là, galère. Vivement qu'on fasse notre truc de rosé, là. Ouais, on va le faire maintenant. C'est choix à viande, on peut le faire aussi. Ah, il va falloir retaper des bombardiers, merde. Ça, c'est embêtant, ça. Alors, ah non, 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 d'abord. Ok, 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 j'ai rien dit. Alors, ça. Alors, fais voir. Voilà, niveau 2. Moi, à la base, ce que je faisais, c'est j'utilisais le niveau 1 si jamais j'avais vraiment besoin du niveau 1 et tout ça. Puis après, le niveau 2, je l'utilisais si vraiment on avait besoin du niveau 2. Genre, tout ça pour essayer de pas trop utiliser les armes, mais honnêtement, ça sert à rien de faire ça. Enfin, les outils, de pas les abîmer et tout, mais on peut les réparer facilement, donc c'est pas grave. Par contre, faut regarder ce qu'il faut pour réparer. Bon, faudrait l'abîmer un peu, mais... on va récupérer des tiges, il y en a pas loin. Non, mais il faudrait d'abord que je boive. Ah, là, 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 là. Oh mon dieu, c'est là. Don't even need to boil it. Nickel. Just close your eyes and imagine it's a fruit pounder. Ça en est une, ça? Ouais, oh, nickel. Et on récupère ça aussi. Alors, ça, je crois que ça a changé aussi. On en a 7. Comment ça marche? C'est en accessoire? Non. Comment ça fonctionne? Puissant idéal pour planer depuis les hauteurs. Oui, mais où c'est qu'on le... Où est-ce qu'on l'équipe? On peut plus l'équiper. Genre comme ça. Oh pardon. Oh! Left shift. Ouais, mais je suis pas assez haut, je crois. Je crois que je suis pas assez haut. Ouais, non, mais je dois pas être assez haut, c'est pas grave. Parce que je sais que ça s'activait pas tout le temps. Mais là, ça a changé maintenant. Ouais, on verra ce que ça fait exactement. Alors, décharger. On verra comment ça fonctionne, parce que là, je suis pas vraiment sûr de comment ça fonctionne. On va les garder dans l'inventaire. Donc, fabrication. Alors... Comme ça...
À noter que techniquement, on a coupé un truc qui demandait pas une hache niveau 2. Hein. Ça demandait une hache niveau 1. Alors, toile, une. Non. Non plus. Sont où les toiles? Bah. J'ai encore un coffre que j'ai pas touché. Attends, y'a... What? J'ai plus de cordes en soie? Ou je suis aveugle? Non mais je dois être aveugle. Tu vas pas me dire j'ai plus de cordes en soie. Je les ai utilisées quoi pour faire quoi? J'en avais que 4? Sérieux? La merde. Bon, ben ok, bon on en avait que 4 apparemment. Oh, je suis dégoûté. Putain, faudra encore aller retourner taper des araignées. Bon, c'est pas très grave. Il faut un peu plus de tiges. On va en prendre encore. Je crois que ça disparaîtra au bout d'un moment. Ouais, je crois que ça disparaîtra. Ok, très bien. On va dormir, je crois. Pour éviter d'avoir froid. Soif. Alors, est-ce qu'on va... Ouais, bah non, il faudrait aller attaquer des araignées d'abord. Peut-être un peu mieux. Puis après, on part en aventure. Ah, je sais pas vraiment. Il y a tellement de trucs à faire. Alors, il nous faut de l'eau. Voilà. Nice and clean. Ah, je crois qu'il y a des... Ouais, ça c'est pourri. Ça, on va le mettre. C'est quoi ça? C'est asticot? À la limite, on n'a plus besoin des champignons, j'ai envie de dire. Bon, allez, on va faire ça. Juste au cas où. Alors ça, normalement, en théorie... Ça stack ou pas? C'est 10 maximum. Ok, ça marche. Détruire, oui. On va le garder. Du coup, on va manger, boire, et ce qu'on va faire, c'est aller se faire des petites araignées encore une fois. Très bien. Comme ça, on fait de la toile. Et on va récupérer aussi de la sève. Bah alors, tu tombes pas? Chier. Tomber sur la seule goutte, tu veux pas tomber. Super. Ah. Nickel. Let's go. Let's go combat. Est-ce qu'il faudrait réparer nos trucs? Comment on répare? Ouais, ça va. Je sais que plus tard, on va pouvoir développer... Alors, c'est une sorte de... Je crois que c'est de la colle. Ou du gel, ou un truc comme ça. Qui va nous permettre de... On va boire une fois. Qui va nous permettre... De réparer les choses, en fait.
Et du coup, on n'aura plus besoin d'avoir des parties d'insectes. Parce que là, on a besoin de parties d'insectes, en fait, pour réparer. Mais on n'aura plus besoin de ça. Et ça, c'est vraiment bien. Parce que plus vous avez des... plus vous avez des outils, en fait, qui sont rares, de haut niveau et tout ça, plus il vous faut des parties de créatures qui sont... puissante, hein, évidemment. Et du coup, c'est super chiant à réparer. Mais du coup, là, on n'aura plus besoin de faire ça. Et c'est vraiment, vraiment cool. Ça devient super fun après. Alors, on va d'abord faire un petit tour pour la sève. Non, c'est à moi, ça. On pourrait faire ça aussi. Là, on retombe un peu sur le petit côté farm. Mais bon, c'est toujours de la progression. Coccinelle. Très bien. Faudrait faire des récolteurs de sève aussi. Honnêtement, comme ça, ça nous éviterait de faire ça, en fait. Ce que je suis en train de faire. J'avoue que ça serait vraiment bien. On va peut-être en faire. Ok, très bien. Normalement, j'ai ce qu'il faut, hein, pour en faire. Ouais. Je crois que les fers à l'établi, ça baisse pas le nombre d'objets qu'il faut. Donc, de ce côté-là, on s'en fout. Don't even need to boil it. Alors, recherche d'araignées. Je pense qu'il y en a de ce côté-là. C'est quoi ça? Ça n'a qu'à rien. Faut qu'on mette à jour aussi nos missions là. C'est juste des acariens. Là, vers les troncs d'arbres, je crois qu'il y a des trucs. Mon Dieu! Ah, on a des araignées. Enfin, après, je dis combattre des araignées. En fait, techniquement, non, on n'a pas besoin. Hop. Oui, non, on n'a pas besoin. Je vois pas pourquoi je dis ça à chaque fois. Oula, non, 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 non. Allez, on y va. On progresse super bien. Je suis content. En fait, on progresse vite. À chaque fois, on fait quelque chose de nouveau. Ça qui est bien. On tombe pas dans le farm et tout ça. Là, on fait on a la nouvelle hache. On fait le récolteur d'eau. On fait le truc et tout ça. Donc, c'est vraiment sympa, ça, en fait. On récupère quelques
charançon pour faire de la nourriture. Ce qu'on pourrait faire aussi, c'est un nouveau set. Ah, très bien. C'est des soldats que je dois tuer, je crois, pour des missions. Bon, ça, cuir de baie, ça, il faut faire sécher des baies. Bout de punaise, il va falloir combattre des punaises, c'est un peu plus compliqué. Surtout qu'il en faut 4, donc il va falloir sûrement en tuer au moins 2. Alors, ce qu'on peut faire, c'est un séchoir. Ça, il en faut un. Bon, c'est en train d'être fait. Est-ce qu'on peut faire des smoothies? On peut faire des smoothies faciles avec des fourmis. One long schnoz, built for sniffing. Très bien. Là, c'est duvet, gravillon et argile. Santé max et soigne. C'est pas mal. Honnêtement, c'est peut-être le meilleur à faire. C'est le plus simple, peut-être. Hydratation, ventre plein, ça c'est vachement bien. Mais il nous faut du miella. Ça, c'est très chiant à récupérer, du coup. Je crois que le plus simple, c'était ça. Des algues. Parce que les algues, il y en a plein dans l'eau, en fait. Mais je suis pas vraiment équipé pour aller dans l'eau. Donc, on va pas pouvoir rester très longtemps sous l'eau, donc c'est très très chiant à faire. Je dirais pas non pour ça, il faudrait juste aller récolter de l'argile en fait. Ouais, il y a juste à récolter de l'argile. On peut faire un petit coup d'argile peut-être. Alors, attends, on a ça, ça. J'essaye de regarder ce qu'on a pour manger, se remettre de la vie. Donc ça, je peux le cuire. Ouais, on va faire du... Elle est où ma lance? J'ai récupéré ma lance, ouais. On va faire de l'argile. On va récupérer de l'argile et on va faire des smoothies. On va en faire un peu plus de ça. Je crois que c'est les stacks de 5 ou 3. Je sais plus exactement. Donc... Donc ouais. Hey Fid. Où est-ce que je me suis égaré moi? Non, ça va. Il y a des jus qui remettent pas beaucoup d'hydratation. Là, on peut voir que ça a pas remis grand chose. Je sais plus lesquels, honnêtement. Je sais plus la différence. Mais ouais, il y en a qui remettent quasiment rien, donc faut faire attention à ça, c'est relou. Genre si vous mettez ça dans votre gourde, bah vous allez sûrement avoir des problèmes. Okay. Bon, par contre, récupérer de l'argile, c'est relou. Hein. Pas le plus fun, mais c'est, on va dire, le plus simple, parce que là il y a des tonnes et des tonnes d'argile vraiment partout. C'est juste un peu long au début parce que la pelle elle fait pas grand chose. Je crois qu'ils ont augmenté aussi la durabilité des choses. Ouh, faire attention à les toiles d'argile. Je crois bien qu'ils ont augmenté la durabilité des outils et des armes en général. Alors je sais pas si c'est pour toutes les difficultés. Mais ouais, ils ont augmenté ça. J'avais vu. Donc ça, c'est vraiment bien. Parce que j'avoue que c'était relou. J'avoue que c'était relou. Surtout avec les lances. Genre les lances, ben on les lance. Parce que c'est vachement pratique, ça fait beaucoup de dégâts. Et elles cassent en fait extrêmement vite du coup quand on fait ça souvent. Donc c'était un peu chiant.
nickel. Ah oui, non, ouais, là faut pas y aller. Alors du coup on a des gravillons à récupérer aussi. Ça, il faut juste casser des blocs de pierre, ça va vite. Très bien. Après les daily, là, les journalières, enfin les missions en fait qu'il y a, c'est même pas des journalières. C'est pas mal. J'ai des trucs à analyser. Non. C'est vraiment pas mal aussi pour avoir tout le temps des choses à faire. Pour un peu se forcer à aller à droite à gauche quoi. Ok, les larves. Ah oui, bah oui, on est juste devant les larves, merde. Faire gaffe. Larves, des gravillons, des pucerons et de l'argile, je crois bien. Très bien. Un truc que je voudrais faire, c'est... Ah, c'est con, hein. C'est ça. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Tada ! Ça, c'est cool, ça. Voilà, maintenant, il y aura de l'eau, là. Je pense qu'on peut rester ici encore, vraiment. Ouais. Faudrait peut-être à un moment faire un vrai camp. Mais ouais, j'ai pas envie de me presser en fait. J'ai pas envie de passer du temps à construire pour le moment. Alors, on a ça, ça. On va manger celui-là. Très bien, soin. On a combien? 10? Non. Ok, donc ce qu'on pourrait faire, comme j'ai dit, ça serait des récolteurs là de sève. Ça nous... Comme ça on se prend pas la tête. Comme ça on se prend pas la tête. Alors, pour les récolteurs de sève, c'est ouf. Collecteur, pardon. Super simple à faire. Super simple à faire. Il nous faut plein de cordes. Et on va trouver les tiges là-bas. C'est quoi récupérer ces culs? Ouais, donne-moi tout, quoi. On avait dit qu'on voulait faire du... Des smoothies aussi. Alors, smoothie. Donc, celui-là, c'est le plus simple. Ouais, c'est le plus simple. Nickel. Est-ce que ça va plus haut que 5? Je vais voir un peu. Non, c'est bien ce que je pensais. Bon, on peut en faire plus, parce que honnêtement... Voilà, 3. C'est super facile à faire, celui-là. C'est vraiment cool. Puis en plus, ça augmente la vie max. Donc c'est vraiment sympa. Hop, hop, hop. Alors, j'aimais bien faire mon inventaire et tout. Mais bon. Alors, est-ce que... À la limite, ce qu'on pourrait faire, c'est les outils, les mettre là... Honnêtement.
à la limite les mettre ici, les outils. Là, comme ça, on a... On va virer ça. Ça aussi, ça on le garde là. J'aime bien avoir les soins en fait proches de moi, genre en 1. Puis après on met les smoothies ici. Et ça, ça sera les soins en nourriture. C'est un peu le bordel, mais 3 barres, enfin, il y a une logique, mais elle est compliquée à comprendre. Ouais, je crois que c'est pas mal comme ça. Ça nous permettra de combattre facilement et je serai pas perdu dans mes raccourcis. Là, on a tout pour se soigner en fait pour le combat. Après, si jamais on veut manger, ben on mange ici. Un truc que je peux faire, c'est virer la gourde. Attendez. Ça. La gourde, la mettre là en fait. Ouais, la gourde la mettre ici parce que c'est pas quelque chose qu'on va faire souvent. Honnêtement, les champignons, j'ai envie de les virer. Parce que la gourde, c'est pas quelque chose qu'on va faire en combat. Donc du coup, c'est pas besoin que ça soit proche. Ok, très bien. Bon, qu'est-ce que je disais? Viande de puceron séchée. Oui, on peut faire des trucs comme ça aussi. Viande de puceron... Non, ça non. Une gourde, on en a déjà une. Très bien. Oh, on a plein de trucs à faire. Donc comme j'ai dit, non. Concentre-toi, on veut faire... On a ça. On a des cordes. Il nous faut des cordes. On veut faire les récolteurs. Elles sont où toutes les cordes? Sérieux? Sérieux? Je voudrais des cordes. Putain, on n'en a pas des cordes en fait. C'est abusé. Faut pas que la nourriture pourrisse. Parce que sinon, c'est un peu de la perte, c'est con. Alors, il est où le grand arbre? Il est là-bas. Oh, poor guy's got allergies. Ah oui, il faut qu'on aille récupérer des quêtes aussi. Il y a tellement de trucs à faire. J'adore ce jeu, toujours des trucs à faire. Surtout le début, évidemment. Alors, moi j'avais mis des récolteurs juste ici, honnêtement. C'est ligne droite vers le centre. Donc, c'est tranquille en fait. Oui, là, ça. Genre, comme ça. Les araignées qui se baladent, mais elles sont pas super dangereuses. C'est bien parce que maintenant, on peut les récupérer, les mettre beaucoup plus facilement. C'était... pas aussi simple, je vais être franc. Avant, c'était pas aussi simple. Là, ça va, ça a l'air pas mal. Donc, il faut des cordes, il faut des tiges. On va aller couper des tiges, vite fait. Ouais, c'est mieux ce que j'ai fait là avec les outils en haut et tout ça. Look at that ant go. Ce qu'on pourrait faire, c'est un équipement aussi de fourmis. Tout simplement pour pouvoir porter plus de tiges en fait. Ah, ça en fait beaucoup, hein, en une fois. Je crois que le maximum qu'on pouvait... genre porter, je crois que c'était
plus de 10, 12 peut-être. Quelque chose comme ça, c'était vachement bien. Quand vous aviez l'équipement avec les bons boosts et tout ça, c'était vraiment super facile en fait de faire de la construction. Vous pouviez porter beaucoup, vous déplacer très vite. Donc c'était cool. Ok, très bien. Donc celui-là il marche. Ah oui, on peut faire un point de repère. Je vais le mettre au-dessus, le point de repère, pour faire style. Ah, très bien. On va récupérer encore quelques tiges, je pense qu'on va faire quoi qu'on devrait s'arrêter là, comme ça on fait une heure l'épisode, je sais pas trop. Je dois bien finir les tiges. Ah vous voyez, il y a de l'eau maintenant. La gourde elle est pleine, la gourde elle est pleine. Je vais virer ça. Il nous faut du trèfle. Nickel. Et après, alors je crois que la construction aussi, ils l'ont amélioré. Maintenant, on peut utiliser une sorte de moucheron qui permet de se déplacer. En fait, c'est lui qui va construire à votre place pour les endroits qui sont hauts, en fait. Parce que je me rappelle, avant, il fallait faire un peu des échafaudages et tout. Ouais, il nous faut plein de cordes maintenant, c'est cool. Nickel. Donc. Ça, on va mettre. Sève. Très bien. Ah oui, c'est comme CF pour cacher en fait. Je suis bête. Insecte, voilà, invisible sur la TH. Alors, on en a pas besoin, mais sur la carte, maintenant on saura où c'est. Techniquement, ce qu'il nous faudrait aussi, ça serait plus de tourniquets là, qui font de la corde. Comme ça, on peut en faire plus à la fois. C'est vrai qu'un deuxième serait pas de refus. Comme j'ai dit, la corde, en fait, c'est super, super demandé. Ça, je sais plus ce qu'il faut pour en faire. Est-ce qu'on peut en faire genre un comme ça, facile ou pas? Roué. Il nous faut, il nous faut de la sève et de la corde. C'est marrant ça, tu vois. J'ai un peu peur qu'à un moment on se fasse attaquer en fait ici, mais je suis pas sûr. Je suis pas certain en fait qu'on puisse se faire attaquer ici. Non, pas besoin. On va dormir. On va dormir, on va s'arrêter là, ce sera notre épisode. J'ai rien dit, on va pas dormir. Mais on va s'arrêter là, ce sera notre épisode, parce que sinon ça va durer trop longtemps. Voilà, ben, on a fait du super avancement. On a super avancé, on va faire un deuxième là pour faire de la corde, ça va aller plus vite. On va pouvoir sécher des aliments et tout, ça c'est bien, ça va nous aider à faire plein de nouvelles choses. On a un récolteur d'eau, collecteur de rosée, pardon. On peut récupérer de l'eau sans trop de problèmes maintenant. On a plein de nourriture, donc c'est cool. Et on a notre hache niveau 2. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
Smoothie aussi, pour le soin. Bah c'est nickel, honnêtement c'est nickel. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé, à la prochaine, portez-vous bien, ciao ciao.